number one, Azane Kaka number one. Les célébrités passent de plus clair de leur temps aux yeux du public et on a souvent l'impression de tout savoir sur elles, de ce qu'elles mangent au petit déjeuner, à leur routine d'exercice et à leur shaker préféré. Mais les célébrités ont aussi leurs secrets et ils font tout pour les garder cachés. Bonjour et bienvenue mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je veux vous révéler ces 10 secrets que les célébrités d'Hollywood ne vous diront jamais. Les sièges à remplir aux Oscars. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de côtoyer les stars ou si vous n'avez jamais assisté aux Oscars, la vérité est que c'est en fait possible et beaucoup plus facile que vous pourriez le penser. C'est parce qu'un grand nombre de personnes sont payées pour assister aux Oscars juste pour qu'ils puissent remplir les sièges et applaudir au bon moment. Les gens qui sont payés pour applaudir aux Oscars sont instruits exactement quand applaudir et combien de temps ils devraient applaudir. Ceci est fait pour donner aux Oscars ces looks très glamour. Et ce ne sont pas seulement les Oscars qui emploient de faux membres du public. Un grand pourcentage de shows télévisés et des sites comme télévisés devant un public en direct paient les gens pour être dans le public et pour applaudir. Ces personnes sont généralement embauchées grâce à l'aide de Craigslist pour faire qu'une émission paraît beaucoup plus populaire qu'elle ne l'est en réalité. Le blanchiment d'argent. Investir dans les films hollywoodiens est un bon moyen pour le membre de la mafia et d'autres groupes, le tout pour blanchir leur argent sale. Beaucoup de films hollywoodiens disposent des budgets spectaculairement fabriqués afin qu'une plus grande quantité d'argent puisse être rendue légale grâce à l'investissement dans le film. Investir dans un film est également un bon moyen d'éviter de payer des impôts car cet argent est considéré comme une charge fiscale et permet aux investisseurs de glisser dans une tranche d'imposition inférieure, ce qui leur permet d'économiser beaucoup d'argent dans le long terme. Le blanchiment d'argent est également étonnamment commun parmi les célébrités. Un certain nombre de stars d'Hollywood, y compris Leonardo DiCaprio, sont suspectés et font l'objet d'une enquête. Par exemple, un certain nombre de célébrités sont suspectées d'avoir reçu des cadeaux cash de Riza Aziz, connu pour avoir volé des millions de dollars aux contribuables malaisiens pour financer ses films hollywoodiens. Les agents fédéraux travaillent actuellement dur pour trouver les fonds qui appartiennent légitimement au peuple malaisien et ils enquêtent sur tous ceux qui ont reçu des espèces ou des cadeaux d'Aziz. Et cela commence avec les célébrités qui ont joué dans ces films comme Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Jonah Hill, Christian Bale, Casey Affleck et Forrest Whitaker. Les fausses romances des célébrités. Nous aimons quand deux célébrités finissent ensemble, surtout si elles ont travaillé en étroite collaboration sur le même film. Alors que la romance qui ont été captée sur le grand écran s'est traduite parfois dans la vie réelle. Ce n'est pas toujours le cas. En fait, de nombreuses célébrités sont encouragées par leurs agences à faire semblant pour plus de publicité. Pour beaucoup de gens, la relation entre Bella Swan et Edward Cullen dans la saga Twilight était incroyablement romantique et quand Kristen Stewart et Robert Pattinson ont fini ensemble, le public a évidemment retenu son souffle, s'arrachait tous les détails de la romance florissante du couple. Mais des années après leur rupture, Kristen Stewart est maintenant en couple avec de jeunes femmes et parle de la fausse relation qu'elle blâme à la fois sur Hollywood et leurs fans qui ont poussé les couples à prétendre car les gens voulaient que Rob et elle soient ensemble. La relation a été transformée en un produit. Ces fausses relations amoureuses sont très courantes à Hollywood. Il y a même un terme pour celle-ci, promance. Les relations amoureuses fausses les plus célèbres comprennent Taylor Swift et Tom Hiddleston, Katharine Hepburn et Spencer Tracy. Le maltraitement dans l'industrie. Ce n'est pas un secret que la plupart des célébrités ont de corps magnifiques, alors que certains d'entre elles sont naturellement bénis avec de gènes qui leur permettent de manger tout ce qu'elles veulent, les autres doivent passer plusieurs heures par jour à faire de l'exercice dans la salle de gym. Mais certaines célébrités sont plus à même de rester en forme que d'autres et celles qui ont du mal à se débarrasser du poids excessif font face à une pression considérable.
ces stars sont menacées de voir leur contrat de cinéma résilié ou se voir refuser l'accès au tapis rouge. L'actrice Greta Garbo a lutté pendant toute sa vie avec des problèmes de poids et elle devait manger des épinards pendant 3 semaines avant un tapis rouge. Les actrices telles que Betta Davis et Joan Crawford ont aussi eu des avortements pour éviter de retarder leur carrière et en ces jours où l'égalité est célèbre, les femmes continuent à recevoir des salaires inférieurs à ceux de leurs homologues masculins, même lorsqu'elles travaillent sur le même film. Amy Adams et Jennifer Lawrence reçoivent des salaires beaucoup plus bas. Il semble que ces pratiques sont courantes à Hollywood. Hollywood Walk of Fame. La plupart des célébrités rêvent d'obtenir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Et ce n'est pas un secret qu'il faut du talent pour y gagner une place. Mais la plupart des gens ne sont probablement pas conscients du fait que les célébrités doivent payer pour leur étoile. La décision de qui est autorisé à avoir une étoile est faite par la Chambre de commerce d'Hollywood et elle a déclaré que Kim Kardashian ne serait jamais autorisée à avoir une étoile parce qu'elle n'a pas assez de talent. Ceux qui réussissent à passer doivent être prêts à payer 30 000 $ pour le privilège d'avoir leur propre étoile. Bien sûr, vous pouvez être en mesure de persuader votre studio de cinéma ou la société PR de payer la facture, mais en retour, la star leur sera redevable. Acheter des Golden Globes. Si vous avez déjà rêvé de remporter un Golden Globe, la bonne nouvelle est qu'avec le bon connexion et une grande quantité de liquidités à portée de main, vous pouvez en acheter une, bien que ce soit un secret bien gardé. Il semble qu'il y ait beaucoup de corruption impliquée dans les nominations aux Oscars et il peut même être possible de payer pour gagner une nomination. Les Golden Globes sont votés par le Hollywood Foreign Press Association, qui comprend 81 journalistes et critiques de cinéma. Des films qui souvent ont reçu des faibles notes, de même critiques qui votent pour les nominations au Golden Globe réussissent à gagner le Globe, ce qui prouve qu'il y a de la corruption. Le secret est bien connu, les juges reçoivent souvent des faveurs spéciales telles que des concerts privés de leurs artistes préférés ou des larges sommes d'argent. Les acteurs s'en tirent avec un maître. Si vous envisagez de tuer quelqu'un de sang-froid, la façon de s'en tirer avec peut-être pas le plan parfait est de devenir une célébrité et les frais seront considérablement réduits ou les charges peuvent même être levées. Ce fut certainement le cas pour Matthew Broderick. En 1987, Broderick était à peine âgé de 25 ans. À l'époque, il devint une figure hollywoodienne de premier plan après le succès de La folle journée de Ferris Bueller. Son avenir semblait prometteur et la dernière chose dont il avait besoin était une peine d'emprisonnement. Avec sa petite amie Jennifer Grey, il a eu une collision frontale avec la voiture de Margaret Doherty dans les Anna Gallagher et il les tua instantanément. Broderick conduisait du mauvais côté de la route et était certainement en faute, mais il n'a eu d'une amende de 175 $. Et si vous vous demandez pourquoi cette histoire a été quelque peu cachée sous les projecteurs, ce serait grâce aux professionnels d'Hollywood qui sont payés d'énormes sommes d'argent pour couvrir les scandales des célébrités avec de pots de vin. Les célébrités embauchent des juges privés. Tandis que les célébrités sont plus qu'errées de faire savoir au public quand ils sont dans une relation ou quand ils se marient, le même ne s'applique pas au divorce. Beaucoup de célébrités de haut profil font de grands efforts pour empêcher les médias de divulguer leur divorce et d'autres problèmes légaux, y compris l'embauche de leurs juges personnels qui respectent leurs horaires stricts et sont rémunérés pour leur discrétion. Les célébrités peuvent embaucher des juges privés qui peuvent coûter jusqu'à 1 000 $ par heure pour décider de leur cas dans des chambres privées afin d'éviter les médias ou le grand public siégeant à un procès. Cela peut sauver les couples de beaucoup d'embarras car les détails de leur mariage sont susceptibles de sortir pendant le procès. Une autre façon d'éviter les cirques médiatiques et l'attention non désirée est de demander les divorces dans un autre pays, tandis que certains avocats ont révélé qu'ils conseillent à leurs clients d'attendre les moments propices pour divorcer pour essayer de minimiser son impact. La cruauté envers les animaux à Hollywood. Souvenez-vous de l'avertissement à la fin d'un film qui dit qu'aucun animal n'a été blessé?
Malheureusement, c'est probablement un mensonge. La maltraitance des animaux est endémique à Hollywood. Alors que le public pense souvent que les animaux qui figurent dans les films sont mignons, ceux-ci sont spécialement formés et manipulés et sont souvent abusés sur l'écran pour créer les bonnes réponses. C'est là qu'on prend le tigre de Bengale qui a joué un rôle important dans les films à succès de Life of Pi. Des courriels ont été divulgués indiquant que le tigre s'est presque noyé après s'être enroulé dans une bobine de corde. 27 animaux de ferme sont morts pendant les tournages de Hobbit quand ils ont été laissés sans surveillance et ils se sont déshydratés. Aussi, plusieurs espèces marines ont été blessées et tuées pendant le tournage des Pirates des Caraïbes, la malédiction de Black Pearl, et ont été découverts plus tard échoués sur la plage. Abus d'enfants à Hollywood. Beaucoup de gens rêvent d'être une star enfant, mais ce n'est pas aussi glamour que cela peut sembler. Alors que les enfants acteurs ont encore besoin d'étudier et de travailler dur, il y a la menace supplémentaire d'être molesté par les réalisateurs ou les producteurs et d'autres personnes puissantes. Après des années sans mots sur ces abus, un certain nombre de célébrités jadis enfants stars comme Elijah Wood et Corey Feldman ont récemment parlé de l'épidémie de pédophilie d'Hollywood. Elijah Wood a fait des références aux abus sexuels tandis que Corey Feldman a été beaucoup plus ouvert sur l'agression sexuelle que beaucoup d'enfants connaissent, bien qu'il ait dit que pour des raisons juridiques, il ne peut fournir aucun nom en dehors d'un tribunal. Peut-être la déclaration la plus accablante vient de Corey Haim, qui a joué avec Feldman dans plusieurs films pendant les années 80. Haim a dit qu'il a été molesté par plusieurs, mais que Feldman a été violé à l'âge de 11 ans, alors que les anciennes stars trouvent enfin leur voie, ceux directement impliqués dans la maltraitance des enfants stars travaillent encore dur pour les couvrir, et on ne sait pas combien de jeunes en souffrent encore. Et voilà pour les 10 secrets d'Hollywood les plus terribles et les plus surprenants. Lequel de ces secrets vous a le plus étonné? Faites-moi savoir votre avis dans l'espace commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, si cette vidéo vous a appris au moins quelque chose, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, c'est qui nous encourage toujours. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Avant de partir, partagez cette vidéo à vos amis dans vos différentes pages des réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.